Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Everland 2. Alors, donc on était arrêté ici, on a fui l'arène. Hein. Donc on arrive ici. Je vais charger, je vais attendre que les ennemis se trouvent juste en bas de moi. Et comme ça on va pouvoir se les faire assez facilement je pense. Hop. Voilà. Voilà, là il n'y a rien de ce côté. C'est loin. Ok. On a encore un autre point de sauvegarde. Je vais changer de personnage parce que. Lui c'est bien pour tout casser, mais faut que je fasse plus de. Je ne pourrais pas y aller. Est-ce que je peux sauter de ce côté? Ok, là faut absolument qu'on trouve plusieurs clés. Donc on va aller plutôt de ce côté. Ah, on a de l'eau. Attaquer dans l'eau, génial. Allez, 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 saute, saute, saute. Ok. Ok. La touche saut, franchement, est très mal positionnée. Ils auraient pu mettre la touche. Ouais, la touche saut, j'aime pas du tout. Je crois que je vais avoir des problèmes pour ça. On va prendre celui-ci. Je vais utiliser celui-là pour le tuer. Hop. Je crois que j'arriverai pas à la voir de là. On va voir. Ouais, non, il faudra que je saute. Et on fait quand même des vagues de coups un petit peu plus loin quand même. Hop. Vas-y, reviens. Hop. Faut que j'utilise le gros. Le gros s'attaque. Là-haut, je vois pas trop comment je peux faire. On va récupérer de nouveau. Voilà, comme il est long, comme il est long, comme il est long. Vas-y, décale-toi là. Ok. Allez, la touche pour sauter et nager en même temps, c'est chaud. Oh, super. J'arrive, je reviens ici. Hop. 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 La touche
Je dois avouer que je supporte pas la touche. La touche pour sauter est vraiment très 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 mal positionnée. À moins que je fais... Ça devra aller si je fais comme ça. Tester pour voir une grosse attaque. Ouais, on arrive à le tuer quand on fait une grosse attaque. Je sais pas si je peux faire une grosse attaque là. Ouais. Peut-être que je la prends ici. On va attendre un peu qu'il... Allez, 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 allez. Vas-y. Par contre, lui, son attaque sort. J'arrive pas à la voir, c'est pas la peine. On va devoir faire ça, ça. On va récupérer tout ça, hein, parce que je pense qu'on en aura besoin. Voilà. Voilà, level up. Level up. Zou. On continue à monter. Grosse attaque. Merde, je me suis gouré. Heureusement que je prends pas de dommages quand je saute comme ça. C'est de nouveau la... Ça m'ennuie beaucoup parce que je supporte pas ça. Jamais aimé jouer dans l'eau. Voilà. Je suis pas doué. Je suis pas du tout doué pour jouer dans l'eau. Ok, on va juste tuer celui-ci quoi. Vraiment chaud, hein. Il faut sauter pour nager quoi, c'est mal faire. Ah c'est bon, je peux rester appuyé dessus. Appuyer dessus, c'est bon.
Ah oui, forcément, et ils se sont mis des pièges partout, mais. Putain, ils sont pas cool, hein. Ils sont pas cool. On recommence. Génial. Bon, c'est quoi ce truc? Hop. Vous avez obtenu la clé d'égout. Ok. On sauvegarde. Wow. Wow, c'est quoi ça? Change de... Voilà. On sort ici, ok. J'espère que de l'autre côté ça sera plus simple hein, parce que franchement j'aime pas du tout. Et que ça soit plus dans l'eau quoi, parce que je supporte pas l'eau, c'est incroyable. Déjà moi j'ai un problème, j'arrive pas à sauter, ça va pas non plus. On va recommencer. Ok. Ceci. Yes. Ok. Oula, on arrive. Celui-ci, j'arrive pas à l'avoir. Ah bah si. Là, j'arrive à l'avoir. Bizarre. Alors là, il faut le gros. Mario, ouais, je m'en doutais. C'est bizarre là où il y a. Non. Normalement, je devrais pas trop avoir de soucis pour ça. Récupérer un peu d'XP qu'on puisse monter un petit peu en level quoi, parce qu'avec tous les monstres là j'aurais pu très bien monter en level rapidement si j'aurais si j'aurais tué les monstres très vite. Je peux pas passer de ce côté, je présume que ça tombe. Ouais. Thank you.
voulu attaquer et j'ai merdé. Hop. Allez! Là ça continue en fait, et il y avait un coffre là-haut, ça m'ennuie beaucoup, le coffre je veux l'avoir, parce qu'en fait c'est que moi, je vais mourir et je vais directement aller chercher le coffre, parce que je pensais que, ah bah non, et j'ai sauvegardé ici, moi je crois que je peux même pas y aller, bon moi tant pis, ça devait être une étoile donc à la rigueur. L'étoile, on s'en fout un peu. Bah oui, continuez. Hein. Alors là, j'aurais rien pu faire de toute façon. Alors, il faut absolument que j'arrive à sauter. De là. Ouais. Allez, j'aurais pu mettre un point de sauvegarde quand même, non? C'est quoi cette bestiole? On va tous les faire. C'est juste pour l'XP hein, parce que là je veux quand même monter un peu de level pour qu'on soit quand même un petit peu plus fort quoi quand même. Ça pourrait être intéressant. Alors un gros piège. Ok. Continuer. Est-ce que. Ah on a encore le bloc. Pas cool. Ah j'ai raté. Ah c'est faut vraiment être agile. Hop. Ok. Là ça va être chiant j'ai l'impression. Hop. Oui au-dessus ça va être chiant pour passer. Voilà. Hop, hop. Mais merde. On recommence. Heureusement qu'il n'y a plus de monstres. Faut pas trop que j'aille vite non plus. Je recommence. Si je vais pas assez vite. Si je vais trop vite, je risque quand même de me rater. Voilà, comme ici. Hop, hop. Ok, je vais pas assez vite non plus. J'appuie trop tôt. Ah, j'ai mes trucs qui se sont barrés. Putain. Au moment où j'appuie, il veut pas s'accrocher non plus. Ah, il veut pas s'accrocher. Voilà. Ok,
point de sauvegarde. J'ai pas vu ce qu'il y avait là-bas. S'il y avait un coffre, ça doit être sûrement pour une connerie. Ok. La clé. Ok, génial. Vivement qu'on sort d'ici, hein, parce que franchement, ça me peut pas trop dresser là. Maintenant, je peux pas monter, voilà. Ok, on va prendre le passage le plus long. Qu'est-ce que je fais? Je me cours encore pour attaquer là, c'est pas bon. Vous avez obtenu la gelée verte. Peur que ça colle. Je crois qu'on l'avait déjà eu sur le plus. Hop. Allez, accroche-toi. Okay. Level up. Génial. On récupère un petit peu plus de vie. Je suis content que ça soit fini. Parce que là, je commence à en avoir marre d'être ici. On va sauvegarder quand même. Voilà. Ok. Clé d'égout. Clé d'égout. Hop, en avant. Sortie. Porte est fermée. Je suis sûr qu'on aurait pu l'ouvrir avec une clé, je pense. C'est pas grave. Ah. Enfin, à l'air libre. Bien, ça sent même la brioche. Quand il pense, je n'ai presque rien mangé depuis qu'on a commencé. Ce qui ne devrait pas, devrait être qu'une petite promenade. Cette odeur de brioche m'a ouvert l'appétit. Fou, tu n'as pas faim, toi? Oui. Chouette, allons vite trouver une auberge. J'ai hâte de faire un repas digne de ce nom. Moi-même, je ne serais pas contre un peu de repos, mais nous devons rester discrets. Les portes de la ville sont fermées à cause de la guerre. Il nous faudra trouver un plan pour nous tirer de cette ornière, je crois, ou un truc du genre. Une auberge serait sûrement un bon endroit où se renseigner. Chaque heure perdue met encore plus mon peuple en péril. C'est décidé alors. On va manger. Je suis sûr que en fait, le corps a besoin de force pour pouvoir combattre. Tu ne pourras pas dire tout simplement que tu as faim, Menos. J'ai faim. Et bien voilà, il suffit d'être honnête avec ses sentiments. Et la vie devient tout de suite plus facile. Si on doit continuer cette aventure ensemble, il faut qu'on soit honnête, les uns envers les autres. Pas vrai, Food? Moi je me tais toujours. Allons-y. C'est parti. J'ai faim, Super Mario. Allons prendre des forces et nous renseigner. Ok. Donc ouais, j'y ai pensé pour l'histoire un peu. Ils disent que la guerre contre les démons et tout ça, mais je pense que c'est les démons qui sont gentils et c'est les humains qui sont pas trop.
Et il y a le magicien là qui doit cocoter quelque chose pour attaquer les démons. Et l'empereur là croit que c'est les démons en fait qu'ils attaquent, mais je pense que c'est le contraire moi. Donc ça doit être les démons qui sont gentils en fait dans l'histoire. Alors, mon fils est passionné par le Colisée. J'aimerais qu'il s'intéresse davantage aux vraies choses de la vie, comme faire le ménage, faire à manger, travailler pour se faire. Mais il aura le temps d'apprendre tout cela quand il sera grand. Mieux vaut le laisser rêver pour l'instant. Je sais qu'on est. Bon, je vais pas tout lire parce que je vais quand même parler à pas mal de. À pas mal de villageois, donc si on peut. Si je commence à lire tout ce qui. De toute façon, il parle beaucoup de la guerre. Ah, je pense que je peux fouiller là. Ouais, génial. On va fouiller les trucs. Là, je peux fouiller, donc on va pas se priver. Ça peut être à une auberge, donc on va attendre. Là, il y a des gardes. Je sais pas trop si nous voient, ça fait quoi. Des chaussettes. Ils sentent mauvais, Burke. Ah, c'est le gars, je me demande parfois s'il est riche, je sais pas. Ouais. En gros, ils parlent de leur vie, hein. C'est pas vraiment intéressant. Je vais pas tout lire, hein, quoi. Comme je vous ai dit, ça va être super long sinon. Mais il faut quand même qu'on avance un petit peu dans l'histoire. Surtout que j'ai un peu perdu de temps avec les égouts quand même. Déjà que. Ok. Ça c'est un cœur. Ça peut être auberge. Je me repose un instant. Famille bien en rang. Ouais, ça on peut acheter des choses, donc peut-être que ça pourrait être intéressant d'aller voir ce qu'ils vendent. Bienvenue à la boutique chez Raza. Que désirez-vous acheter? Alors, du thé. On voit pas ce que c'est par contre. Des armes. Ok, revenez nous voir. Donc là, on peut pas. Ah, de l'or. Encore. Wow. Génial. On aurait pu acheter du thé, mais je vois pas trop de quoi ça sert. On va se reposer directement ici. Bienvenue à l'auberge, déguster nos bières maison garantie. Si vous avez pas. Ok, on va en parler. Ah, cet homme, je pense que c'est lui qui s'occupe de ça. Ah, je crois que c'était 500. Ah oui, bon, tant pis, on va s'endormir. Non? Ah oui, je veux dormir, oui. Top. Attendez. Vous voulez dormir, hein? Pour vous, c'est 500 la nuit, c'est moi. Si je fais oui, tant pis pour vous. Ok, donc il faut que je lui dise non alors. Non. Tant pis pour vous. Ok. Ah, bah, c'est bizarre. c'est pas grave. Des gardes en plus. Ah! Une quête? Vous cherchez à faire entrer ou sortir quelque chose de la vie? Avec des frais de passage réduits, bien entendu. Demandez à monsieur Le Brouille. Il est dans la cour intérieure. Dans la cour intérieure. Ok. Là, franchement, ça serait bien qu'on ait un point de sauvegarde. J'aurais bien aimé avoir un point de sauvegarde.
c'est quoi ça? On va aller faire un tour juste pour savoir ce que c'est. Bienvenue chez Bogdonald. Les services n'ont pas encore commencé, repassez plus tard. Ok. Je vois pas trop ce que ça peut être. Bah vous savez quoi, on va s'arrêter là. J'ai pas de point de sauvegarde, donc... Ah si, j'ai un point de sauvegarde à l'instant en fait. À chaque fois que je sors, je crois, d'une... Ah ouais, ouais. Dès que je sors en fait d'une maison, j'ai un point de sauvegarde. Ok, bah c'est impeccable. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un j'aime et abonnez-vous. Allez, à plus.